Selon la définition du vocabulaire de la psychanalyse de Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis, le fantasme est un scénario imaginaire où le sujet est présent et qui figure, de façon plus ou moins déformée par les processus défensifs, l'accomplissement d'un désir et, en dernier ressort, d'un désir inconscient. La définition du fantasme a bien évolué de Sigmund Freud à Jacques Lacan. Chez Freud, le terme désigne dans un premier temps les rêves diurnes, des fictions créées par l'être et qu'il se raconte éveillé. Freud opère une distinction avec ces derniers en précisant le terme fantasme par l'attribut inconscient. Dans le chapitre 7 de l'interprétation des rêves, le fantasme inconscient désigne le noyau du rêve. C'est le point de départ de la formation du rêve. Formation qui s'opère ainsi depuis l'inconscient jusqu'au préconscient. Pour Freud, le fantasme permet de constater la circulation entre ces différents lieux de la vie psychique, à travers les processus de refoulement et de retour du refoulé. Dans son texte « L'inconscient », il nous dit en effet que les formations fantasmatiques, je cite, « approchent tout près de la conscience, restent là sans être troublées, aussi longtemps qu'elles n'ont pas un investissement intense, mais sont renvoyées dès qu'elles dépassent un certain niveau d'investissement. » Fin de citation. Plus fort ? Selon Freud, les fantasmes comportent un apparent paradoxe en ceci qu'ils sont très semblables aux productions du système conscient, de sorte qu'on aurait de la peine à les distinguer des formations conscientes, tout en étant inconscient et incapable de devenir conscient. De là le titre choisi pour ce colloque. Le fantasme, inconscient, ne franchit habituellement pas les portes de la conscience. Il ne se pense pas et ne se dit encore moins. C'est pourquoi, lorsqu'il surgit par la bouche, dans le cadre de la cure psychanalytique ou celui de la psychothérapie, il comporte ce caractère d'inattendu. Vous aurez noté que dans la définition proposée par Laplanche et Pontalis, il est fait mention de « désir ». En effet, le fantasme dit avant tout quelque chose du « désir », et c'est bien la raison pour laquelle il est difficilement discible. S'il y en a un qui sait parler de désir, c'est Jacques Lacan. Selon lui, le fantasme, c'est le masque du désir. L'écriture du fantasme que nous propose Lacan, repris par Lucille Mendes tout à l'heure, médiatise le rapport du sujet barré et l'objet petit a, par l'intermédiaire du poinçon. Si le sujet est barré, c'est parce qu'il est divisé, divisé par le langage, et séparé de l'autre. L'être ne peut pas être dans un rapport direct à l'objet, puisqu'il y a de toute façon interposition du signifiant. Le rapport à la réalité, au monde, est donc voilé par le fantasme. Lacan dit d'ailleurs, au cours de la leçon du 19 novembre 1958, dans son séminaire « Le désir et son interprétation », je cite, « Qu'est-ce que cela veut dire quand on dit à une femme « Je vous désire » Est-ce que cela veut dire « Je suis prêt à reconnaître à votre être autant, sinon plus de droits qu'au mien, à prévenir tous vos besoins, à penser votre satisfaction ?» Seigneur, que votre volonté soit faite avant la mienne. Est-ce cela que cela veut dire ? Et plus loin, répondant à sa question, dire à quelqu'un « je vous désire », c'est très précisément lui dire « je vous implique dans mon fantasme fondamental ». On peut d'ailleurs dire qu'il n'y a pas mieux que le fantasme pour lier les deux membres d'un couple. Chacun accroche avec l'autre, par la place que cet autre prend dans son fantasme. Selon Joël Dorr, dans son introduction à la lecture de Lacan, le désir a partie liée au fantasme comme le moi a partie liée à ses objets. Selon Fernando de Amorim, c'est la position qu'occupe le psychothérapeute ou supposé psychanalyste, sauf lorsqu'il intervient, auquel cas il occupe la position de grand autre barré. Le fantasme a donc la fonction de protéger l'être du déplaisir, en créant une fausse satisfaction, imaginaire, illusoire.
À la suite de Freud, Mélanie Klein et Lacan ont d'ailleurs insisté sur la fonction parexcitante de la mise en scène fantasmatique, sur le caractère défensif du fantasme face à un réel frustrant, potentiellement traumatisant. Dans le fantasme réétudié par Lacan, un enfant est battu. On constate que le fantasme est construit à partir d'une jalousie fraternelle et permet de lutter contre la blessure narcissique qu'est le sentiment de ne pas être aimé par le père. Le fantasme nous apprend quant au mode sur lequel l'être est assujetti à une triple aliénation, à savoir à l'autre, à la langue et à son image. En effet, le stade du miroir met en relation l'image de soi, désignée par l'autre, par l'intermédiaire de la langue. L'identification imaginaire de l'être à cette image participe à l'identification primaire du sujet, mais ne peut se faire que dans le cadre d'un rapport de dépendance à l'autre, qui est donc pris d'emblée dans la construction de l'identification primaire. Nous avons évoqué plus haut le fait que le fantasme serait la marque d'origine du désir. Cette notion nous amène au fantasme originaire. Laplanche et Pantalis définissent les fantasmes originaires comme ceci. Structure fantasmatique typique, entre parenthèses, vie intra-utérine, scène originaire, castration, séduction, que la psychanalyse retrouve comme organisant la vie fantasmatique, quelles que soient les expériences personnelles des sujets. L'universalité de ces fantasmes s'explique, selon Freud, par le fait qu'ils constitueraient un patrimoine transmis phylogénétiquement. Fin de la définition. Cette explication phylogénétique serait liée à un événement réel. La castration, par exemple, aurait ainsi été effectivement pratiquée par le père dans le passé archaïque de l'humanité. Cependant, le vécu individuel a toute son importance, puisque l'enfant ne peut produire de fantasmes qu'avec le matériel qu'il a pu trouver à sa disposition. La capacité de l'enfant à développer ses fantasmes originaires à partir des événements vécus dans le réel serait donc innée, mais trouverait tout de même son origine dans un héritage ancestral. Les théories sexuelles infantiles participent de l'imaginaire qui est à l'œuvre dans les fantasmes inconscients. Ces théories sexuelles ont pour fonction d'aménager les fantasmes œdipiens de l'enfant. Le fantasme aurait ainsi une fonction d'intégration et d'élaboration intrapsychique de l'ambivalence pulsionnelle. Les théories sexuelles infantiles découlent de la découverte de la castration maternelle, mère à qui était auparavant attribué le phallus. Cette théorisation sexuelle infantile laisse sa marque dans le fantasme. La construction du fantasme est une résultante, plus qu'un compromis, entre la théorie sexuelle infantile et l'Œdipe. Nous en arrivons à présent à la notion de transfert, puisque le sujet de cet exposé est l'articulation entre fantasme de séduction et transfert. Le transfert est défini comme suit par Laplanche et Pantalis. Transfert désigne en psychanalyse le processus par lequel les désirs inconscients s'actualisent sur certains objets dans le cadre d'un certain type de relation établie avec eux et éminemment dans le cadre de la relation analytique. Il s'agit là d'une répétition de prototypes infantiles vécus avec un sentiment d'actualité marqué. Le transfert est classiquement reconnu comme le terrain où se joue la problématique d'une cure psychanalytique, son installation, ses modalités, son interprétation et sa résolution, caractérisant celle-ci. Fin de la définition. On constate que la notion de désir est centrale dans la définition de fantasme, citée en début d'exposé, comme dans celle de transfert, ce qui nous permet de soupçonner d'emblée que transfert et fantasme ne sont pas étrangers l'un à l'autre. Dans 5 leçons sur la psychanalyse, Freud indique « Chaque fois que nous traitons psychanalytiquement un névrosé, ce dernier subit l'étonnant phénomène que nous appelons transfert.
Cela signifie qu'il déverse sur le médecin un trop-plein d'excitation affectueuse, souvent mêlée d'hostilité, qui n'ont leur source ou leur raison d'être dans aucune expérience réelle. La façon dont elles apparaissent et leurs particularités montrent qu'elles dérivent d'anciens désirs du malade devenu inconscient. Le soin que prend Freud à préciser que ces manifestations n'ont leur source dans aucune expérience réelle indique que le transfert est de l'ordre de l'imaginaire. Au sujet du transfert, un cas parmi ceux que Freud a couchés sur le papier est emblématique, celui de Dora. Rappelons que Dora est emmenée pour la première fois par son père chez Freud à l'âge de 16 ans, alors qu'elle souffre de toux et d'enrouement. Son père avait lui-même été soigné par Freud, qui avait alors posé sur ses symptômes le diagnostic d'atteinte syphilitique. Dora revient à l'âge de 18 ans, toujours entraînée par son père, qui se fait le narrateur de l'histoire de la maladie de sa fille. La jeune femme a passé, 2 ans auparavant, des vacances en compagnie de ses parents, ainsi que d'un couple d'amis, M. et Mme K. Elle a alors accusé M. K, auprès de ses parents, de lui avoir fait une proposition inconvenante. Proposition démentie par l'intéressé. Elle savait par ailleurs que son père avait une liaison avec Mme K. Lorsque son père décide de la ramener auprès de Freud, c'est parce qu'à la suite d'une lettre écrite par sa fille, lettre adressée à ses parents mais non envoyée, et dont la teneur semblait être un adieu, ils ont eu ensemble un échange, semblait-il anodin, mais qui a conduit à la perte de connaissance de Dora. Malgré les réticences de la jeune femme, la cure débute et elle pourra raconter à Freud un événement survenu lorsqu'elle avait 14 ans. Monsieur K, s'arrangeant pour être seul avec elle, l'avait serrée contre lui et embrassée, ce qui avait provoqué chez elle un profond dégoût. Cette confession de la part de Dora est déjà un témoin du transfert. Elle, qui n'est pas prise au sérieux par ses parents, dont l'accusation est niée par Monsieur K et décrédibilisée par Madame K, elle trouve en la personne de Freud un homme qui la croit. Elle pourra ainsi reconnaître ses sentiments amoureux pour Monsieur K et donc l'émoi sexuel, source de honte, ressentie lors de l'étreinte et du baiser. Elle comprend le refus de son père de la croire comme la preuve qu'elle est utilisée comme agent de la liaison entre lui et Madame K. Freud pourra alors soumettre l'interprétation de ses symptômes, ayant selon lui pour but d'amener son père à une rupture d'avec Madame K par amour pour sa fille. L'analyse mettra par la suite à jour des sentiments amoureux pour Madame K de la part de Dora. Dora se situe entre deux couples, celui de ses parents et celui de Monsieur et Madame K, où chacun des maris rejette sa femme. Comment comprendre pour la jeune femme qu'elle est que ces deux hommes se désintéressent de la féminité de leurs épouses? Au cours de ces séances, Dora fera mention d'épisodes où, enfant, son père se tenait à côté de son lit en prévention de fuites énurétiques. Moment qu'elle associera à la présence de Monsieur K près du sofa où elle faisait un jour la sieste. La présence de ces deux hommes auprès d'elle, alors qu'elle se tient couchée, n'est pas sans évoquer la situation dans laquelle elle se trouve sur le divan. Freud supposera par ailleurs, à partir de l'analyse d'un rêve où elle associe le feu à la fumée des cigarettes de son père et de M. K, ou des cigares de Freud, qu'elle a fantasmé d'être embrassée par lui. Il considérera d'ailleurs que c'est ce fantasme qui l'a conduite par la suite à abandonner sa cure. Selon Suzanne Ginestet-Delbreuil, on peut se questionner quant au désir du père de Dora. Ce père qui offre des bijoux à son amante, à sa femme comme à sa fille. Ce père qui dit de sa femme qu'elle n'est rien pour lui et qui se détourne d'elle pour Madame K, à qui Dora à la fois s'identifie et porte des sentiments amoureux. Selon Ginestet-Delbreuil, le désir du père de l'hystérique est toujours incestueux. Cependant, il ne s'agit pas d'imputer au père réel la responsabilité de la névrose de sa fille. L'étude de l'hystérie de Dora fait partie de l'enseignement précieux que Freud a tiré des hystériques rencontrées. Quand, au départ, il pensait que le symptôme hystérique trouvait son origine dans une scène de séduction réelle, il se rendit compte par la suite que non,
Il ne s'agissait pas d'un événement avéré, mais de fantasme. Un fantasme d'être séduite, auquel Freud fait face dans le transfert de Dora. Monsieur K est l'objet du fantasme de Dora. Fantasme qui rejoue son désir oedipien pour le père, désir qui se rejoue dans la cure à travers le transfert avec Freud. Jusqu'à ce que le fantasme de séduction devienne insupportable pour elle et qu'elle choisisse de mettre un terme à son analyse. Nous avons vu précédemment que le psychanalyste occupe auprès du psychanalysant la position d'objet petit a. L'objet petit a étant l'objet du désir du sujet dans le fantasme, alors le fantasme de séduction, lorsqu'il apparaît dans la cure, est directement intriqué avec le transfert qui se joue dans la relation avec ce même objet. Nous avons vu également que le fantasme de séduction découlerait du désir de la mère, car c'est l'existence de ce désir pour un autre qui crée le manque. Le désir de la mère dont il est question, c'est le désir du phallus. Le phallus donne la raison du désir, en étant l'objet du désir de l'autre. Le rapport au phallus détermine la position de l'être, menacée en tant qu'homme, manquante en tant que femme. Le fantasme de séduction pourrait être une tentative de faire avec ce rapport au phallus. Être séduit, c'est être l'objet du désir, occuper symboliquement la position de phallus. Être ou ne pas être l'objet du désir, telle est la question. Je vous remercie.